Des vers sortent de son corps. Bah, trop dégueu, il était dans mes cheveux. Pas la peine de faire semblant. Tout le monde est au courant que tu es un extraterrestre. Hein? Trop tard. On sait que l'alien en toi sort de ton corps. Mais non, mais le ver, il était dans l'herbe. Il s'est mis dans mes cheveux quand je me suis roulée dedans et... Et le pire est à venir. Observez ces tortillages. Ça indique que l'individu va bientôt muter. Attention, baratin. On s'est roulé dans l'herbe, il y avait plein de bestioles. Tom, stop. Dis-leur que c'est ça qui te gratte pour que ta frangine arrête son cinéma. N'approche pas l'alien ou je te pulvérise. Cafard, viens avec nous avant qu'il soit trop tard. Je te jure qu'elle prépare un sale coup. Dis-moi, Tom, ou devrais-je dire Vermann, parle-nous de ta peur panique de l'eau. Mais non, tu dis n'importe quoi, j'ai même pas peur de l'eau. On l'a vu éviter le pédiluve, et vous savez pourquoi? Non. Parce que l'eau chlorée est un poison mortel pour son espèce. Mais fais quelque chose pour qu'elle arrête son délire. Allez, va dans l'eau. Mais je peux pas, je te dis, j'ai un rhume. Et puis j'ai oublié ma serviette et je veux surtout pas mouiller ma boussole. La fameuse boussole spatiale qui ne le quitte jamais. C'est bien ça, cafard. Bah oui, elle indique l'étoile polaire pour renvoyer les aliens sur leur planète. Mais pourquoi tu lui as raconté? T'es amoureux ou quoi? Moi? Mais pas du tout. En réalité, c'est pour rejoindre sa planète. Hein, Vermann? Tu racontes n'importe quoi pour éloigner mes copains. Je vais te désintégrer. Attention, la mutation va s'achever. Grimpez sur la bouée. Alors, espèce de poulpe mouillée, tu viens la chercher, ta boussole? Rends-la-moi ou je t'éparpille aux quatre coins de l'espace. Oups, moins une. Elle est étanche, j'espère. Banzai! Ah!